Ça va? Okay. Ouais. Elle t'a dans la sorcellerie, ta grand-mère? Il va pas. Elle t'a vraiment dans la sorcellerie? Il va pas. On m'a donné. Elle s'est passée comment? Elle m'a donné. Elle m'a donné rien, elle vient. Vient de bœuf. Et ça, elle a mangé. Maintenant. Et ça, maintenant, on est parti, elle m'a appris, on est parti là-bas. C'est ça qu'on est parti là. Elle est assise dans la chaise. Et puis, à la nuit, maintenant, il y a deux garçons qui sont arrêtés. Ils ont tout couru, ils ont mis sa tête. Elle a attrapé boîte, elle a là. Boîte, elle attrape ici. Là. Là-bas, c'est qu'on fait, mais en haut, là, il y a tout des lions. Elle a attrapé, tant bois des pointus. Maintenant, quand elle a dit, oui, mon petit-fils, je l'ai envoyé, il serait dedans, et tous étaient contents. Donc, il y a un, il a tapé sa main, donc, tous, il a tapé sa main trois fois, donc, tous, ils ont commencé à faire con. Ils ont commencé à faire con, ils ont commencé à faire con. Et ça, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mettez-le devant, je le, parce qu'il s'exprime bien. Le petit, là, lui, c'est un véritable sorcier, il ne va pas changer. Oui, allons-y. Maintenant, quand elle a commencé à faire comme cela, les amis, elle s'est levée. Et puis elle est con. Mika, t'es envoyé ici. Elle te donne le pouvoir des hiboux. D'abord, pour la consulter, si tu as bien fait, elle te donne le pouvoir des chats. Et ça, elle m'a donné. Et puis elle dit que le pouvoir des hiboux, ça peut faire. Alors, comment elle t'a donné le pouvoir des hiboux? C'est quand elle mangeait, en tout cas, la nourriture. Quand elle mangeait la nourriture. C'est ça. Elle a mis quelque chose dedans. C'est ça. Maintenant, elle m'a dit que si elle veut partir tuer, de parler, de dire trois fois, de dire moi, je veux tuer, de devenir telle chose. C'est ça, elle dit qu'elle est devenue. C'est ça, elle dit de faire. Et c'est ça, elle dit comme moi. Elle dit de parler. C'est ça, elle dit comme moi. Je veux tuer, je devenu hibou. C'est ça, elle dit devenu. Et après, maintenant, elle dit voilà. Et puis, elle dit qu'elle sait qu'elle fait. Avant que même maintenant elle est partie en France là-bas, c'est maman. Où maman dresse ça. Elle est partie. Où il y a tabac. Elle a chié là-bas. Elle a chié là-bas. Quand elle a fini de chier, elle est venue. Et puis elle dit que elle demande d'aller, de faire même chose, d'aller gâter 13 de maman. Mais ça, maintenant, c'était comme oh, le petit. Et là, mon TP est parti. Je suis tombé, je suis parti. Elle a gâté 13 maman, je suis venu. Et puis elle vient qu'elle m'a donné. Elle vient qu'elle m'a donné à de rembourser par quelqu'un. Et ça, il y a un tonton, c'est mon tonton. Il s'appelle Papa Zo. Il vendait pain. Il s'appelle Papa Zo. Comment t'appelles? José. Et Papa José. D'accord, José. On va commencer d'abord par le pain. C'est moi, elle a envoyé. Elle est allée. Le Dieu, ça, elle est transformée en cabri. Et ça, elle a envoyé. Et puis elle a tué. Et ça, maintenant, comme ça, elle était la reine, moi, elle m'a donné les deux bras. Les autres, ils ont pris derrière, ils ont pris là. Maintenant, c'est elle qui a pris la tête. Elle a pris la tête. Ils étaient contents. Donc, comment ça fait? Et ça, elle m'a regardé. Puis maintenant, elle dit qu'il a bien fait mon travail. Elle m'a donné pour les chats. Et là, maintenant, papa, quand elle grandit maintenant, elle fait rester des ans. Donc, ça veut dire que tu as les grands pouvoirs maintenant? Elle m'a donné pour les chats maintenant. Alors, tu as expliqué le pouvoir de Dibou. Le pouvoir des chats sert à quoi? Le pouvoir des chats, là. Elle dit. Si quelqu'un a tenté de faire quelque chose, maintenant, de partir, me transformer pour aller chercher de partir. Maintenant, il m'arrête. Il regarde la personne. Puis il crache. Il crache dans son œil. Maintenant, si son œil lui fait mal, là, il tombe. Maintenant, s'il prend son âme, il dit, il veut prendre son âme. Dit quand toi, il faut le prendre pour mon verre. Alors, je vais te poser une question. La question, c'est, est-ce que quand il t'a donné tous les pouvoirs de la sorcellerie, tu as informé qui? Papa, il dit quand sa grand-mère lui a donné la sorcellerie, elle lui a dit de ne pas dire à quelqu'un.
que si elle dit à quelqu'un, ils vont le frapper. Donc c'est cela qu'il n'a pas dit à quelqu'un. Alors t'as tué combien de personnes? J'ai tué 200. À la fin tu descends, c'est quand toi tu tues 200. Comment tu arrives à tuer les gens? Comment tu procèdes? Je vois des bouets pour faire des chats. Je vois des bouets qui me tensent avec ta scie et mon verre. Ils m'en volent. Maintenant, quand tu piques, je pique dans la tête, ton sang commence à couler. Je prends, je gagne, je prends ton âme. Je m'en vais avec là, et puis tu tombes. D'accord. Maintenant, alors? Maintenant, pour, oui? Pour chat là, quand tu as arrêté, il crache dans ton œil. Il casse dans ton épée, ton œil commence à te faire mal. Maintenant, je me vois encore si tu es mal. Et là, quand tu tombes mal et puis tu es mort, il tape, et puis encore, il prend ton âme et ton sang, et vient lui donner. Qui vient lui donner le contrôle? Quelle est ta mission dans la confrérie? Toi, tu joues quel rôle? Dans le groupe là, quel est ton rôle que tu joues? Dans le groupe du sorcellerie là, toi, quel est le rôle que tu joues? Moi, je m'envoie. On t'a un missionnaire. Papa. Elle t'envoie comme un émissaire pour faire quoi? Particulier, gâté. Alors, la vie, pourquoi? Lui, il joue quel rôle dans ta confrérie, là, ta société, comme tu as dit? Il joue quel rôle là-bas? On est ton petit-fils qui a été là, dans ta société, là. C'est quel rôle il joue? Il a été. Quoi? Il tue. Elle dit, il tue les gens. Tu l'envoies en mission pour tuer? Il tue, oui. Hein? Oui. Elle dit, oui. Tu lui confies des missions, va tuer, et puis il tue. Alors, quand il tue, qu'est-ce qui se passe? Il vient te rendre compte? Si il vient de là-bas, il me passe. Elle dit quand il vient, l'enfant lui raconte. Il te rend compte? On te demande. Hein? Oui, papa. Il dit quoi quand il revient? Quand il revient, il dit où je l'ai envoyé, il a eu la route là-bas. Il a eu la viande, tu la vois à chasse. Donc il t'envoie le gibier. Il envoie. Bon, la vieille, tu as vu dans les trucs dans lesquels tu as mis tes petits-enfants, une maman, une grande mère, elle doit aider les enfants à avancer. Toi, tu leur envoies des conneries. Tu leur donnes des pouvoirs qui font peur, les pouvoirs de pouvoir manger l'homme. Tu vois, rien n'est plus comment tu es en train de gâter. Ta famille. C'est pour ça que tu entends les mal finis. Mais encore, tu veux pérenniser la sorcellerie dans la famille. Pérenniser ça. En donnant, transmettant le pouvoir à tes petits-enfants. Or, toi, tu es conscient que la sorcellerie des enfants est plus dangereuse que pour les vieilles personnes. C'est pour ça que tu as fait. J'ai pris Dieu. T'as fait rien comment tenter de terminer, tenter de dégrader, tu vois, ta santé, tout ça. Parce que Dieu, tout ce qu'on fait de mal, on paye. On le paye. On paye ça. Allez, pour rien, tu détruis la vie des gens pour rien. À cause de viande, clenée.